Laetitia. Hey. Wow, quelle surprise, Yvan. Comment tu vas? J'ai un secret à te confesser. Mais avant, il faudrait que je me promette que ça va rester entre toi et moi. C'est promis. En fait, Christian veut faire de toi la femme de sa vie. Je veux dire, il voudrait t'épouser. Mais il m'a demandé un service. Tu sais, Laetitia, le choix le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est ni son boulot, ni le pays où il souhaite vivre, mais la femme avec qui il va partager sa vie. Parce qu'elle a le pouvoir de le transformer soit en maître du monde, soit en un zéro à la gauche. Mais Yvan, pourquoi tu parles comme ça? Moi aussi, j'aime Christian. Et j'aimerais également faire ma vie avec lui. Donc, t'inquiète pas. Oui, mais le secret que je veux te transmettre, c'est qu'il m'a chargé de te surveiller pendant un bon bout de temps. Pas parce qu'il n'a pas confiance en toi. C'est juste parce qu'il veut se rassurer de la femme qu'il va épouser. Christian t'a demandé de me surveiller. Mais si je suis avec lui depuis plus de 16 ans, qu'est-ce qu'il veut encore? Or, c'est aujourd'hui que monsieur veut me tester. Hein? Ne joue pas les Saintes Vierges Marie. Je suis venu parce qu'entre-temps, j'étais surpris avec un autre mec. Wow! Yvan, je crois que tu as dû te tromper de personne. J'ai les preuves de ce que je dis là-dedans. Tu sais, il m'a payé une somme intéressante pour faire ce boulot. Et il m'a promis 100 000 francs si je lui apportais des preuves contre toi. Pas parce qu'il ne veut plus de toi. Il m'a également promis que si tu étais une femme digne telle qu'il le pense, il ferait de moi l'un des invités d'honneur, bien que photographe officiel de votre mariage. C'est du jamais vu, Laetitia. Tu lui as présenté les photos où ils vont. Commence à présenter les photos. Alors que je suis venu te voir. Et je crois que vous avez dormi dans le même lit hier. Tu crois vraiment qu'il les a vus? Vraiment, merci. Efface-les alors immédiatement. En raison de quoi je ferais ça, Laetitia? Étant donné qu'il y a une somme de 100 000 francs qui m'attend. Tu sais quoi? Je te donne les 100 000 francs et tu les effaces. Là, au moins, tu aurais fait quelque chose pour moi, Yvan. Laetitia, ton amie. Je comprends, Laetitia. Mais je comprends surtout que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Mais comme on le dit, il y a des erreurs qui coûtent cher. Cher combien? Je te donne 200 000 francs. 200 000. Yvan, s'il te plaît. S'il te plaît, Yvan. Je les accepte, mais pourvu
qu'il n'y ait plus de couac par la suite. Plus de couac. Quelle est la forme des paiements? Je te donne le cash. Une seconde, je reviens. Laetitia, je crois que par la suite, je vais plus te contrôler. Mais pour ma paix interne, vis-à-vis de mon ami Christian, la prochaine fois, je serai obligé de lui dire toute la vérité. Si jamais je vois quelque chose. En espagnol, mon professeur disait « Con pelos y señales ». Avant de dire tout en compenglos et signaler cela, je vais te donner à mon tour encore 200 000 francs pour que tu me fasses savoir si Christian est également un mec sérieux. T'es sérieuse? Ouais. Marché conclu. Je n'ai plus assez de cash. On se voit demain pour finaliser. Mais avant tout, efface d'abord les photos. Ouais.